Comment Salomon, vous êtes juif? Salomon est juif. Oh! Et mon oncle Jacob, qui arrive de New York, il est rabbin? Mais il est pas juif. Ah si. Gérard! Gérard, tu es là? Je fais une enquête sur les œufs. Oh, mais tu travailles trop! Oh, nom de Dieu, nom de Dieu! Versez-moi un canon, Claude! Comment? Bah, tu comprends-tu pas? Verse-moi un canon, nom de Dieu! Oui, je suis Big Moustache. J'étais Big Moustache. Hein? I had to cut it off. Hein? Trop dangereuse. Too English. Trop anglais. Hein? Suivez-moi! Là, je trouve très maladroit de votre part de vous montrer désagréable. Êtes là votre chérie. Oui, si je m'occupe de votre publicité, vous allez sauter plus haut que votre fils. Écoutez, hein. Ne me poussez pas à bout parce que c'est moi qui vais vous faire sauter, je vous satellise. La peste soit de l'avarice et des avaricieux. Comment que dis-tu? Ah si, vous avez dodeliné. Mais qu'est-ce que vous appelez dodeliné? Ben, c'est fait comme ça. C'est ça, voilà, dodeliné, voilà, je dodeline, je dodeline, là, je dodeline. Alors là, d'accord, j'ai pas dodeliné. Et elle est solide, votre banque? Qu'est-ce qu'elle fait comme genre d'opération? On fait des additions, des soustractions. Un bateau? Hein? Où ça? Un bateau! Où ça? Oui, où ça? Là, là! Oh! Un bateau! Je savais que vous viendriez. Je suis le Mahador, vous permettez? Scorcelletti. Oui, vous enchantez. Enchanté, à qui est-ce l'honneur? Moi, le roi des imbéciles. Ah oui, à son oreiller, maman au feu. La plus verte, c'est toi! Très bien, Jacob. Break! Vite, alors maintenant, foutez-moi le camp. Maintenant, foutez-moi le camp, mais vite! Je vais au village, mais je reviens. Hein. Mais vite, restez-y, sans ça, je vous fous un coup de fusil. Chiche. I'm sorry, sir. I'm so sorry. I'm sorry. I'm sorry, sir. I'm sorry. Les choses étant ce qu'on voudrait qu'elles soient tout plus, je... Qu'est-ce qu'il y a? Elle a le même costume que moi. Et je voulais que ça me foute. Ah! La vieille! Mais qu'est-ce que tu fous là? Mais qui est-ce? La douane! Un petit coup de main, Perlin? Pardon? Une bande de loupards, chef. On les a semés. Oh non, chef. Oui. Oh non, chef. Non. 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 Chef. À la voiture. Non. À la voiture. Non, non, mais c'est ça, président. Tout est numéroté, ça. C'est pour mettre les hélices en dessous. Les hélices, c'est au bois. C'est un secret, je ne vous dirai rien. Voilà. Storem, Léo. Storem. Et voilà. Mais ce qu'il faut à la commune, c'est une expansion économique. Ce qui manque dans tous les villages français, c'est l'expansion économique. Qu'est-ce que je fais de ça? Foutez-moi le camp. Non mais écoutez, je vais vous coucher. Qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je fais de ça? Et mes gages? Qui me paiera mes gages? Vos gages? Tenez les voiles. Alors ça... I don't like you. Maybe I'll take my jacket off. I won't have it. Come on, stay. All right, stay. So, what about this? Et d'une main postiche. Écoutez là-bas. Oui, oui. Et voilà. Oh, mon chéri. C'est dans ces moments-là qu'on réalise ce que ça veut dire, un couple. Ma biche. On les aura. Pourquoi tu tues? Dis-moi, Antoine. Le cadavre. Bonjour, monsieur. Mais qu'est-ce que le cadavre. Mais laissez-le aller. Non, mais je crois que j'ai trouvé un très bon moyen pour faire disparaître le cadavre. Il y a un cadavre? Il n'y a pas de cadavre. Martin. Monsieur le directeur général. Bien que vous ne fassiez pas partie des cadres, peut-on connaître votre opinion? Oh, la même que la vôtre, monsieur le directeur général. Voilà quelqu'un d'intelligent. Voilà. Alors que la vie du héros d'un peuple est un jeu, monsieur Septime n'est pas ce qu'à son bistrot. Mais mademoiselle, il faut tout, il faut des héros, il faut des bistrots. T'enlever ça? Bah ça vous plaît, j'espère. Tous vos airs sont d'une gaieté extraordinaire. Je te sais pas qu'à ça. That's right. Et pour qué? Because I love him. Alors usted no puede casarse, usted no tiene el derecho. Marié? Hélas. Votre âge? 17 ans.
17 ans de moins que mon mari. Non. Si. C'est gênant, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Assez! La ferme! La ferme! Là! Permettez-moi de vous appeler Bertrand. Bon, je vous quitte. Au revoir, Bertrand. Parce que je suis noir! Mais vous n'êtes pas noir! Mais si, je suis noir. Enfin, pas tellement, quoi. Et vous, monsieur le secrétaire général adjoint? Bon. Et vous, Brossard? Quoi, bah? Qu'est-ce que ça veut dire, bah? Ah, pardon, monsieur le directeur général, c'est monsieur Frépillon qui a dit bah. Moi, j'ai dit beuh. Paul de spécial. Non, c'est moi qui arrose vous. T'en fais pas, je te déjoue un coup sec, ça va? Vraiment. Allons-y, franco, mon général. Oui, I am telephoning about madame Marseille. Encore un scotch, j'ai. Non. Excusez-moi. Il faut que tu sois raisonnable. Ah, gueule. Laisse-moi. Oh, dis, pas de chantage. Oui, c'est exactement. Chérubin avec Caligula. Quoi? Chérubin avec Caligula. Merde, patate. Chérubin avec patate. T'as vu comment ça va? Y'a pas de savate. Allez, donne-moi ton masque. Non, pas... Loulou, descends. Mets l'Austin dans le garage de l'hôtel. Allez-y. Je vous couvre. Je vous couvre, mais sous votre entière responsabilité. Alors là, ça va barber. Qu'est-ce que c'est que cette chienlit? Non, papa, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Viens par ici, regarde-toi. Hop, regarde-toi. Viens, pas toi casser la glace, hein? Tout le monde s'habille comme ça, ici. Vous ne savez pas vivre, mon petit. Il y a que votre argent qui vit. Vous êtes un fantôme. Oh, ben, le fantôme, il vous dit merde, hein, voilà. Ah, ben, dites donc, il y a eu progrès. Elle a été sabotée. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un coup de fantomas. Allez me chercher un taxi, moi. Allez, je m'en fous, allez me chercher un taxi. Imbécile! Mais c'est ta faute aussi! Pourquoi tu voulu le forcer à s'asseoir sur une chaise qui le répugnait? Imbécile! Il serait bien avancé, n'est-ce pas, si c'était cassé la figure! Imbécile toi-même! Ouh, tu le monstre de femme, mon Dieu! Mais pourquoi faut-il que j'ai trouvé ça sur mon chemin? Non, mais écoutez, attendez seulement que je fasse la preuve que cet article, enfin, que ce torchon est un tissu de mensonge et ça fera du bruit. Mais alors, croyez-moi, plaf! Là, ça va faire du bruit. Ah, je vous donne un coup de main. Oh, ben, ah non, parce que le déménagement, je connais ça par cœur. Et je vous jure que ça va aller vite. Hein. Oh, voilà. Il y en a qui feraient venir des déménageurs pour un petit travail comme ça. Hein. On verra ça nous-mêmes. On croyait là-haut, nous. Là-haut? Il y a longtemps qu'on n'y mange plus. Les plats arrivaient froids. Qu'est-ce que c'est que cet énergumène? N'approche pas, je te fous marron. Un marron à moi? Les papiers, allez hop! Si tu voulais le savoir, tu n'avais qu'à me faire suivre par ton crétin, ton abruti de commissaire Juve. Vous vous rendez compte? Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ça vous regarde, non? Puisque vous le prenez sur ce ton, je vais revendre. À qui? Tous les fous ne se baladent pas en liberté. Je vous assure, Léo, cette concession est authentique. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse de votre satané jeune? Hein? Tu vois tout pas? Bon anniversaire, vilain grognon. Non, attendez, on va vous aider. Marie Béatrice, regardez. Bah. Mais bien sûr, on va vous aider. Moi, je vais l'essuyer et Louis-Philippe la lavera. N'est-ce pas, mon chéri? Oui. Allons-y. Dites-vous bien que nous ne sommes pas du même monde. Alors, entre nous, il existera toujours ça. Voilà. Alors, donnez-moi la main. Donnez-moi la main. Mais qu'est-ce que c'est que ce crâne? Faites attention, hein. Faites très attention. Sang du Christ! Il est son amant! Alors là, tu exagères peut-être un peu. Mais quand un homme offre à une femme un bijou de ce prix, hein? Hein? 14 nouveaux francs 95. C'est encore pire! Il a séduit ma fille avec de la pacotille! Qu'est-ce que c'est que ça? J'importe Griffin. Vous êtes en retard, les grilles, fermez-en boire. J'en vais de ne pas pouvoir te coffrer. Mais je peux jamais perdre des buts, tu vas. Ta gueule! Oh mon Dieu, puis. Barre-toi. Oh, ça va, écrase! Oui, c'est exact, excusez-moi, monsieur le commissaire. À votre santé! Qu'est-ce que c'est? De l'arquebuse. C'est pour les veuves qui s'évanouissent. Oh non, c'est là.
Oh, c'est l'œil, non, c'est en plein dans l'œil. Oh, vous ne touchez pas, on l'a tapé dans l'œil. Oh non, non, vous vous foutez de moi, non. Allez, remontez dans votre voiture. Ah, allez, montez dans votre voiture ou je vous coince. Allez hop, en cuisine. Il y a de la vaisselle qui attend. Voyou, ici. Avec ça, vous jouerez sur la plage. Bah, Tout de moi, voilà, allez, hop, voilà, allez, hop, allez, voilà, allez, c'est froid, hein. Attends, tu vas voir maintenant, c'est clair. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui la grandeur d'un pays? Je m'en fous. Vous n'avez pas le droit. Tu m'as bien traité d'amiral, je peux bien te traiter de ministre. Ministre, c'est pas une injure bien grave. Ça ne devrait pas en être une. Être ministre, c'est une mission. Si j'étais ministre... Dites donc, mon brave. Quoi? Votre visage prouve que vous avez du cœur. Ta gueule! Pourquoi elle est tombée dans le pot? Comment? Je comprends pas. Tétette! Oh! Mon Dieu, mon Dieu. Vous commencez à m'énerver, vous, avec vos mon Dieu, mon Dieu. Au sujet de Modigliani. Comment je pense qu'il l'a trouvé au marché ou pas? Oh, voilà, c'est là. Et moi, pour en revenir au Modigliani. De la cave au grenier, vous m'entendez? De la cave au grenier! Si nous ne trouvons rien, je vous ferai des excuses. Mais nous trouverons! On commence à craquer, hein? Présentez-vous. Ah, c'est le général, chef. J'ai rien compris, recommencez. Ah, c'est le général Merlot. J'ai toujours rien compris. Alors ça, ça va vous coûter cher. J'étais prêt à vous pardonner, mais après le coup des gants, c'est pas possible. Foutez-moi quand ? Quel sport pratiquez-vous ? La guerre, pendant 25 ans. Ah oui. Et quand la paix éclate, l'homme gonfle. Le comte était très musclé. L'inactivité, voyez-vous, lui donne de la cellulite. Ah ben vous êtes comme ma femme. J'ai rien à voir avec votre femme. Je peux le semer si monsieur veut. Oui, comment? En roulant vite. Ah non. Ah non. Bon, allez-y. Bon, merci monsieur. Oh non. Cramponnez-vous. Tu mens. Il ment. Est-ce que vous m'avez accusé de mentir quand je disais que j'avais menti ou d'avoir menti quand je disais... Oh non, je tais-toi. Monsieur? Dis donc toi. Tu peux pas faire la queue comme tout le monde? Abruti, crétin, cocu, andouille! T'as entendu, hein? C'est ça, les Français! Ah, ah, vous ici, mon fils! Quelle surprise! Oh, ma sœur, comme le monde est petit! Oh. Ah. Mais c'est fini, oui! C'est pas moi, patron, c'est le moteur. Vous avez les mêmes pneus que moi, vous en êtes content? Les mêmes quoi? Les pneus. Oui, les pneus, vous en êtes content des pneus? Oui, c'est très bien, ça, c'est parfait. Ah, monsieur? Oui. Monsieur, il y a un monsieur qui vous attend. Pourquoi vous me le dites pas? Ah ben, je vous le dis. Quand? Maintenant. Vous êtes un menteur. Au revoir, monsieur Fourchaud. Ah, monsieur le curé. Et surtout, n'oubliez pas, cette maison est la vôtre. Ah oui. Alors, on compte sur vous dimanche prochain. Ah non? Je vais être bientôt le maître du monde. Qu'est-ce que vous lisez là? Regardez bien. Saint Trospet. Non, faites un effort, bon, redisez quand même. Saint Trospet. Oui, bon. Figurez-vous que je me trouve devant un grave problème. Toujours vos douleurs dans l'épaule, hein, monsieur Barnier. Bon, ben, je vais vous faire un petit massage. Hein. Attention, mon Dieu, quoi? Toujours aussi douillet, hein, monsieur Barnier. Ça va comme vous voulez? Ça va, ça va. J'avais un moucheron dans l'œil, chef. Aïe, il est parti. Allons nous coucher, ma biche, cela va s'arranger. Vous rêvez, Hubert. Charles vous a préparé la chambre d'amis. Bonne nuit, mon ami. Perdu 3 kilos. Non, 2. Pas tout à fait. Tout à fait, un 5, un 4. Enfin, un bon, quoi. Oh,
Tricard. Oui. Alors, mi. Non, levez-vous, s'il vous plaît. Alors, mi. Tyler is. Non, my Taylor is rich. Il y a un pendu dans ma chambre. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un. Oh, quelle horreur! Laisse-moi parler, mon Dieu, il y a un pendu dans ma chambre. Dans ma chambre? Non, dans la mienne. Dans la mienne, donc quelle horreur! Vous savez, dans notre métier, il vaut mieux passer pour un fou que pour un imbécile. Eh ben alors là, vous risquez pas la camisole, vous. C'était sa sœur. Oh, il est très fin, vous avez très spirituel. Il est un garçon charmant.